Vous comprenez bien qu'on est sur un rapport de bataille familiale. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée de ma vie. Salut la team créative et bienvenue sur Creative Wargame pour ce rapport de bataille découverte, didactique, comme vous le sentez, autour de Kings of War, un jeu que je vous ai présenté, ou du moins je vous ai donné mon avis sur ce jeu il y a très peu de temps. Aujourd'hui, pour cette vidéo découverte, j'ai deux invités de qualité supérieure. C'est la première fois que vous allez les voir sur la chaîne. Vous avez d'un côté El Señor Kitsuke qui fait sa première apparition. Un jeune homme plein d'entrain qui est ni plus ni moins que l'un de mes fils et donc qui va nous démontrer ses qualités martiales et stratégiques sur cette vidéo. C'est lui qui va prendre en main les elfes. Et de l'autre côté, j'ai décidé d'inviter aussi celle qui sera ma lieutenante pendant cette bataille. Elle va jeter les dés à ma place pendant que moi je m'efforcerai de filmer tout ça et de vous expliquer les tenants et les aboutissants des règles de Kings of War. C'est Rosie, alias Miss Tourop. Important de le dire, pour cette vidéo-là, il n'y a pas de figurine mantique sur la table de jeu. C'est une des grosses particularités de Kings of War, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre des figurines mantiques pour jouer. Il vous suffit juste de jouer les empreintes au sol des régiments, des troupes. On va y revenir, on va expliquer tout ça pendant la partie. Alors, Kitsuke, qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais jouer des elfes. Ouais. Et nous, Rosie, que va-t-on jouer? Les hommes. Les hommes, et dans les règles Kings of War, les hommes sont les basiléens. Allez, on commence par vous présenter l'armée elfe qui va être jouée sur ce rapport de bataille didactique, découverte de Kings of War. On va essayer de vous montrer un maximum d'aspects du jeu, de la variété autour des listes, autour de plein de choses. Vous noterez, comme je vous l'ai précisé, hein, que les figurines ne sont pas de la gamme mantique. C'est aussi là l'un des intérêts principaux de ce jeu, hein, c'est que vous pouvez utiliser toutes vos figurines déjà en possession. Donc là, il y a du Battle, du Sigmar, du A Song of Ice and Fire, voilà, peu importe. L'important, c'est juste d'avoir les empreintes au sol qui vont bien pour pouvoir jouer géométriquement correctement à ce jeu. Alors, au niveau des elfes, déjà, vous verrez qu'il y a différentes empreintes au sol. Vous avez des régiments, donc les régiments, ce sont ces blocs là c'est là qu'on voit aussi, hein, que le format des figurines de Mantique est petit et que l'échelle est petite, ce qui donne aussi un aspect un peu plus bataille rangée, volumineux, sur notamment toutes les photos d'illustration qu'on peut voir du jeu. Par exemple, sur un socle comme ça, normalement est censé rentrer 20 figurines. Et le jeu préconise 15 modèles minimum en termes de modélisme. Là, vous voyez, moi j'en rentre 12. Donc, et je peux pas faire plus. Et on est sur du socle de 25 mm. Donc c'est vrai que les figurines sont petites. Là, on est sur un régiment d'infanterie. Vous avez le socle d'un régiment d'infanterie. Là, vous avez un socle de régiment d'infanterie lourde. Donc on rentre aussi 20 figurines, mais qui sont censées être plus consistantes et plus volumineuses en termes de modélisme. Voilà. Ici, vous avez une troupe de base. Normalement, on est censé rentrer 10 figurines dessus. Là, j'ai pas désoclé parce que ces figurines-là, c'était des archers de A Song of Ice and Fire. Et les socles étaient très jolis. Ça m'embêtait un peu de les détruire. Donc je les ai laissés. Je les ai tout simplement posés sur la plaque de mouvement d'infanterie de troupes, de format troupes. Ici, vous avez un socle de machine de guerre. Ici, vous avez un socle de titan. Et vous verrez qu'en fait, il y a plein de socles différents selon si vous êtes infanterie, infanterie lourde. Il y a quatre modèles, on va dire, de taille d'unité. La troupe, où vous avez 10 figurines. Le régiment, où vous avez 20 figurines. Donc là, par exemple, vous avez une troupe et trois régiments. Vous avez ensuite la horde où vous avez 40 figurines et la légion où vous avez 60 figurines. Donc, et après, les socles ont de plus en plus de volume. On a donc deux régiments ici d'infanterie basique qui sont les gardes du palais. C'est une bonne unité, elle vaut 160 points. Elle a un ébranlement à 15 et une déroute à 17. On verra que ces deux valeurs-là sont probablement les valeurs les plus importantes dans une unité, puisque ça va jouer sur leur survivabilité sur la table de jeu.
On a une défense à 4, on balance un petit nombre, on balance 12 attaques au corps à corps qui touchent à 3+. Voilà, c'est une unité qui est intéressante. Vous noterez que toutes les unités elfes ont le mot-clé élite mêlée, ce qui veut dire qu'elles ont une relance des 1 à la mêlée sur les jets de blessure. On a deux fois la même unité, on a deux blocs d'infanterie comme celui-ci, et ensuite on a une unité... de la chasse sauvage. Alors, particularité, c'est que c'est une unité irrégulière dans la liste d'armée des elfes, c'est-à-dire que c'est pas une unité qui est censée décrire ou illustrer la particularité de la faction. Donc c'est pour ça, ça me posait pas de problème de mettre des hommes, des grosses brutes, parce qu'on peut partir que c'est une unité qui a été un peu des mercenaires, une sorte de mercenaire pour cette armée d'elfes. Donc la chasse sauvage, la particularité, c'est que comme c'est une unité irrégulière, elle n'ouvre pas les slots pour la construction d'armée. Je ne parlerai pas des principes de construction d'armée dans cette vidéo-là, ça demande un petit peu plus ça demande à se concentrer un petit peu plus sur la technicité, et comme on est dans une vidéo découverte, j'ai pas envie de pousser sur les points techniques du jeu pour l'instant. Donc c'est une belle unité en vérité, parce que on balance quand même 15 attaques au corps à corps qui touchent à 3+, on a une défense à 5+, donc la défense à 5+, ça veut dire qu'on a une haute valeur de défense, ce qui est très bien, et surtout elles sont avant-coureurs, donc elles ont un mouvement d'avant-garde après le déploiement, et elles sont agiles, enfin l'unité est agile. Et en fait, ils n'ont pas de malus, ils ne sont pas gênés quand ils chargent à travers des décors. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est une belle unité, assez forte. Voilà. Ensuite, on va avoir les archers de la lignée. Il y a des archers dans l'armée des hommes, et vous verrez que les archers dans l'armée des hommes sont meilleurs que ceux des elfes. Mais ça, c'est une petite troupe d'archers qui coûte 100 points et qui balance 8 tirs à 24 pouces. Voilà, ce sont une petite troupe d'archers. C'est intéressant pour avoir du harcèlement, parce que vous verrez très rapidement que dans ce jeu, le but est de mettre un maximum de dégâts sur les socles adverses. Donc avoir des unités d'harcèlement qui peuvent entamer, rajouter des PV au fur et à mesure, ça permet vraiment de fiabiliser la destruction d'une unité quand vous la chargez avec votre gros bloc d'infanterie. Donc voilà, c'est une petite unité d'archer, ils n'ont rien de particulier, ils tirent à 24 pouces, voilà. Ensuite on a une machine de guerre, donc là ça va être un scorpion qui balance 2 tirs à 48 pouces. Et qui fait à chaque touche réussie, qui fait D3 blessures, puisque ça fait mal. Et en plus, on a la règle perforant 2 de mémoire, qui fait qu'on a 2 points supplémentaires sur le jet de blessure. Donc si normalement, par exemple, je tire sur une unité qui a une défense 5, au lieu de la blesser à 5, je vais la blesser à 3+. Ça, c'est cool. Et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, ces unités-là ont aussi des bonus. Hein. Ont des bonus au corps à corps en mêlée. Voilà pour ça, donc c'est pareil, encore une fois, un même intérêt que les unités d'archers, c'est des unités de saturation, mais surtout de harcèlement qui vont enlever petit à petit des PV. C'est pas des unités qui ont les capacités véritablement de détruire une unité adverse, mais plutôt de lui nuire petit à petit, de l'user. Voilà, et enfin, on ne pouvait pas jouer à un jeu de bataille fantastique sans intégrer des créatures fantastiques. Donc là, on a un dragon des elfes, qui est une grosse bête qui coûte 300 points, et qui tire et qui frappe en mêlée, c'est un mouvement de 10, ça vole, c'est agile, c'est motivant, donc c'est l'unité motivante, elle donne des bonus sur les... Enfin, elle permet de relancer les jets de déroute ratés, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'elle nous fait d'autre cette unité? Donc elle balance 10 attaques au tir ou en mêlée, mais en mêlée elle est ultra violente puisqu'elle a elle a 3 points supplémentaires à la blessure en mêlée, donc elle va quasiment blesser tout l'univers sur du 2+, et en plus, comme c'est une unité elfe, elle a élite mêlée, donc elle relance les 1. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait vos 10 touches, vos blessures, c'est du 2+ relançable. Donc c'est une bonne grosse unité, avec un niveau d'ébranlement et de déroute assez haut, ce qui la rend pas facile à tuer. Voilà pour cette armée d'elfes, on passe à l'armée des hommes. Je vous présente maintenant l'armée des hommes qui vont affronter les elfes. Il faut savoir que ce sont deux armées qui sont d'allégeance du bien. Vous avez 3 allégeances dans ce jeu, le bien, les neutres, le mal. Et vous avez des possibilités d'alliance aussi au sein du jeu. On ne va pas rentrer dans les détails pour cette partie. Les hommes, donc, qui sont ni plus ni moins que les basiléens dans les listes d'armées, donc dans Kings of War. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette armée? Alors déjà, comme précisé, hein, le but étant de faire un rapport bataille didactique et de découvrir un petit peu le jeu, il y a différentes choses par rapport aux elfes. Vous voyez qu'on a un énorme socle ici qui représente pour le coup un socle de horde, donc qui doit normalement être composé de 40 figurines. Et vous avez ici de la cavalerie.
Et en plus, on a un petit personnage indépendant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a chez les Balzilés 1? On a une horde, comme je vous l'ai dit ici, qui sont des hommes d'armes épéistes, tout simplement. Donc forcément, comme c'est une unité plus volumineuse, son niveau d'ébranlement et de déroute est plus haut, ce qui les rend plus durs à abattre, et donc bah, plus résilients sur la durée, je l'espère. Voilà, ça tape hein, quand même, forcément, mais ça reste une horde d'infanterie de base. Qui vaut 175 points. Voilà. Ensuite, on a ici une unité d'infanterie classique, là, qui pour le coup sont des gardes du palais. C'est une unité d'infanterie un petit. Alors, c'est pas une unité d'infanterie élitiste non plus, mais voilà, c'est un petit bloc d'infanterie de fantassins assez basique. Ensuite, on a des archers. Alors là, ils sont pas mal, ce sont des archers de la sororité, ils ont droit à un petit mouvement d'avant-garde, puisqu'ils sont avant-coureurs, donc ça c'est plutôt sympa, ce qui va permettre de leur, tout comme la chasse sauvage chez les elfes, bah, de faire un mouvement après le déploiement. Voilà pour ces petits archers, et ensuite on va avoir une cavalerie, donc là ce sont des paladins en régiment, donc c'est bien un socle de régiment, hein, sur lequel on met normalement 10 cavaliers, là il n'y en a que 8, comme je vous parlais tout à l'heure de cette échelle qui est un petit peu petite par rapport aux figurines qu'on a d'habitude. Bah les cavaliers forcément plus rapides, solides sur les ébranlements et sur la déroute, une grosse défense, voilà, c'est une bonne unité qui peut faire le travail sur le champ de bataille. On intègre ici à la fois un personnage indépendant puisque vous avez la possibilité de jouer des petits personnages qui soient en format fantassin, infanterie légère comme ça, en format infanterie lourde, donc avec un socle, un carré un peu plus gros, ou alors on peut même les monter, on leur paye une monture, on leur paye un coup en point, donc on gagne du mouvement, on a un socle de cavalier qui est plus grand, et voilà. Là, je vous joue un prêtre, tout simplement, qui va nous donner accès à de la magie, comme ça on verra, la phase de magie n'est pas intégrée dans ce jeu, puisqu'en fait elle est intégrée à la phase de tir, et lui, il a un sort qui est le soin, donc en fait, eh bien, à la phase de tir, il va choisir une unité amie dans la portée de son sort, soin, et il jettera 3 dés, et sur chaque 4+, eh bien, il soignera des PV aux unités, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça, et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas jouer un jeu de fantastique sans avoir des grosses bêtes de chaque côté. Et on va avoir un haut paladin sur Griffon. C'est une unité qui vaut 310 points et elle est quasiment identique au dragon qu'on a de l'autre côté, c'est-à-dire chez les elfes. Chez les elfes, tout à l'heure, je vous ai parlé que les unités avaient beaucoup la règle spéciale élite qui leur donnait des relances. Cette armée-là a une règle spéciale que je trouve plutôt cool, c'est la règle spéciale acharnée, qui veut dire que si mon unité est ébranlée, et quand une unité est ébranlée, c'est-à-dire qu'elle s'est fait taper dessus, qu'elle a raté son test de morale et qu'elle n'a pas dépassé son seuil de déroute, elle n'a pas atteint le seuil de déroute, elle est donc ébranlée, enfin qu'elle est sur son seuil d'ébranlement et qu'elle n'a pas atteint son seuil de déroute, eh bien elle ne peut quasiment plus rien faire sur le tour. Acharnée vous permet pour chaque unité au début de tour, vous jetez un dé, chaque unité acharnée sur un 3+, elle n'est pas ébranlée, donc ça c'est plutôt cool. Et ils ont aussi une règle volonté de fer qui leur permet de faire des trucs un peu sympas. J'ai plus le détail et je vais pas le détailler ici, on le verra sur la partie. Voilà pour l'armée des hommes, encore une fois là on est un petit peu plus, on est il reste 15 ou 20 points pour payer des équipements aux unités, et ça on le fera juste après en allant chercher dans les archives des objets magiques de King of War. Le scénario que nous allons jouer est relativement basique pour cette partie de découverte, c'est le scénario butin. Vous avez un objectif au centre, hein. C'est une table de 48 par 48, donc vous avez donc 120 par 120 cm, vous avez 3 butins qui valent chacun 1 point, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de butin remporte la partie, donc 1, 2 ou 3, 0, tout simplement. Il faut savoir qu'on peut aussi capturer ces petites pièces de butin, mais attention, si on capture ces pièces de butin, cela réduit notre mouvement à un maximum de 5, et en plus de cela, on perd certains bonus qu'on peut avoir sur certaines unités. Donc attention à la saisie d'un butin, et une unité qui a un butin peut aussi le lâcher, et quand elle meurt, elle dépose son butin. Voilà pour le scénario. Ensuite, au niveau des décors, il y a différents types de décors et avec différentes tailles. J'en ai pas encore parlé des tailles de figurines. Les figurines ont des tailles qui ont un impact sur les lignes de vue. L'infanterie de base est taille 2, là où de la cavalerie est taille 3, et là où des unités titanesques peuvent être taille 4, taille 5.
On va avoir, on a deux forêts ici et ici qui sont des décors un petit peu de type obstacle. La grosse particularité, c'est-à-dire que si votre adversaire traverse une forêt pour vous tirer dessus, vous allez gagner un couvert. Donc il va avoir un malus à son jet de touche. Si normalement il touchait à 4+ et qu'il tire une unité et que sa ligne de vue passe à travers un couvert, alors il touchera sur du 5+ au lieu du 4+. Ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, une unité qui vous charge à travers un couvert, à travers, qui traverse un terrain lors de sa charge, ben, est gêné dans sa charge et donc de ce fait va avoir encore une fois un moins 1 à la touche lors de ses jets de touche à la charge. Et ensuite vous avez aussi des infranchissables. Donc les infranchissables, c'est très simple, le décor est là, selon la taille qu'il y a, il bloque complètement la ligne de vue. Donc là c'est des murs qu'on estimera de taille 5 par rapport à leur hauteur qui est de 5 pouces, donc il bloque complètement la ligne de vue de ce qui est derrière. Et ensuite on ne peut pas les franchir sauf évidemment si on a le mot que les vols. On a deux unités dans, on a une unité dans chaque armée qui a le mot que les vols, ce sont les dragons, ni plus ni moins. Voilà pour ça. Et ensuite il y a des petits décors qui sont de l'ordre du sympathique et du décoratif. Ce sont ces blocs là qui sont pareil des blocs infranchissables mais qui serviront juste un petit peu pour gêner les déploiements. Voilà, il y a une interaction quand même qui est intéressante avec les décors. Je préciserai qu'il y en a une aussi qui est toute particulière, c'est les collines, je n'en avais pas, qui permettent de mettre du relief sur la table de jeu, donc déjà qui donne un côté immersif assez cool et qui en plus de ça vont donner des avantages à ceux qui sont dessus, notamment aux unités de tir. Voilà pour la table, le scénario, les décors, on a fait le point et on va se retrouver une fois que les deux armées sont déployées. Allez, on attaque, on s'est donc déployé. Le déploiement à Kings of War, c'est très simple. On jette un dé, celui qui gagne commence à mettre des unités. C'est Kitsuke qui a gagné le jet, il a donc 1000 unités, et après on fait ça en alterné. Vous noterez qu'on a des unités qui ont la règle spéciale avant-coureur, en l'occurrence les archers de la sororité pour les Basilé 1. Les archers elfes ainsi que la chasse sauvage. On jettera ensuite encore une fois un dé pour savoir celui qui gagne et qui commence à déplacer ses unités avant-coureur. Pour le déploiement, alors relativement simple du côté des basiléens, comme on est dans le didactique, je vous explique, le déploiement encore une fois, règle assez simple, on doit se déployer à plus de 12 pouces de la ligne médiane. Je vous ai expliqué le scénario avec les 3 butins qui valent 1 point, qui sont forcément au centre. Il faut donc être à plus de 12 de cette ligne médiane, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et voilà pour les règles de déploiement. Et maintenant, de notre côté, j'ai placé en premier ma horde. J'ai mis derrière mon petit magicien qui peut potentiellement les soigner. Vous l'aurez compris, le but, c'est d'aller taquiner éventuellement le centre. Ils sont escortés par ce bon vieux haut paladin qui chevauche son dragon. L'autre escouade d'infanterie, donc pour avoir un bloc solide. Les archers qui vont logiquement faire un mouvement d'avant-garde, venir se mettre dans le terrain difficile, et ce qui me permettra d'attaquer le tour en leur enlevant le malus du terrain difficile, puisqu'ils feront un halt dans le terrain, et donc vont pouvoir tirer, et puis pouvoir saturer tranquillement sur ce qui leur fait face. Là, en l'occurrence, Kitsuke nous a présenté ses chasses sauvages. Et enfin, ma cavalerie sur le flanc. J'aime bien manœuvrer la cavalerie. Sur la partie test qu'on a fait, je l'ai très mal manœuvré. Je l'ai remis sur le même flanc. On va voir si je fais mieux que la première fois avec. Allez, on passe du côté des elfes. Et du côté des elfes, Kitsuke, dis-nous ce que tu as fait. Quelle est donc cette stratégie que tu mets en place? Alors, cette stratégie que je mets en place vise à exploiter les qualités d'avant-coureur de mes archers ainsi que de ma chasse sauvage qui me permettrait de passer les terrains difficiles sans encombrement. Donc, je compte tout simplement faire des lignes droites, ça ne va pas plus loin. Après, pour mon dragon, c'est pas bien compliqué non plus. C'est que, étant donné qu'il bénéficie de la compétence vol, il peut survoler que ce soit des unités alliées, ennemies, ainsi que des terrains difficiles et infranchissables sans encombre aussi. Donc cela me permettrait de me mettre à couvert pour un petit moment, ainsi que de continuer à faire une grosse ligne droite quand j'en vois l'occasion. Et par la suite, la baliste a été placée dans l'angle, puisque celle-ci a une portée de 48 pouces, ce qui est en soi l'équivalent de toute la table, et me permettrait du coup d'avoir en visuel les trois objectifs sans qu'ils soient à couvert, forcément en tout cas,
et ce qui me permettrait du coup d'attaquer mon adversaire sans être encombré non plus. Yes, j'en profite du coup, je vous délivre quelques éléments de règles, notamment les lignes de vue qui ont quand même une importance capitale dans ce jeu. Lorsqu'on tire et qu'on traverse un élément de décor, on offre un couvert. Le couvert, c'est ni plus ni moins qu'à moins 1 sur le jet de touche. Donc voilà, si je tire à travers, eh bien, j'ai un malus. C'est pour ça que ici la balise, eh ben, elle n'est pas gênée ici par un décor. Elle n'est pas gênée ici par un décor. Et elle pourrait éventuellement être gênée par cette forêt-là, sur ce décor-là, sachant que la balise a à la base un jet de touche de 4+, ce qui veut dire que lorsqu'elle traverse des terrains, elle toucherait à 5+. Et pour rappel, c'est 2 tirs, donc seulement 2 dés. Donc c'est une chance assez minime de faire des dégâts lorsque ça traverse des terrains. Donc placement judicieux de la part de Kitsuke, qui a déjà réfléchi à ses placements. On a affaire à un jeune homme stratégique. Il va donc falloir manœuvrer finement pour pas se laisser déborder par cette nouvelle génération qui arrive et qui n'attend que ça, de nous pulvériser sur le champ de bataille. Là maintenant, c'est très simple, on va prendre, je te propose, un dé chacun. Vas-y Rosie, est-ce que tu nous ferais le plaisir de prendre un dé? Tu prends le dé noir ou tu prends le dé blanc? Je prends le dé noir. Très bien, j'en étais sûr. Non, tiens, on en a un pour toi. Ok, okay. Si vous pouvez... qui attaque. Non, c'est pour les avant-coureurs, pour savoir qui commence à déplacer ses unités. Jetez-moi les dés devant moi, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Et hop, c'est donc Kitsuke qui gagne le jet de dés et qui va déplacer soit sa chasse sauvage, soit ses archers. Et ensuite, nous, on déplacera nos archers. Et après, il déplacera sa dernière unité. Ok, les mouvements d'avant-garde ont été faits, c'est très simple. Moi j'ai fait 5 pouces tout droit, j'ai fait donc une ligne droite dans ce terrain difficile, ce qui va me permettre au prochain tour potentiellement de déclarer un ordre halt au mouvement et du coup de ne pas avoir le malus pour tirer dans une forêt. Kitsuke quant à lui a avancé, fait une marche forcée avec sa chasse sauvage donc de 12 pouces, il est allé un grand tout droit. Et il a fait la même chose que Wham, d'ailleurs il l'a fait d'abord, il l'a fait en premier. Il est rentré dans la forêt avec ses archers. Et puis bah, comme ça il n'aura pas de malus. Voilà la configuration de la table avant le premier jet de dés important, qui est celui de l'initiative. Et l'initiative se règle de la manière la plus noble dans un jeu de figurines. Chacun prend un dé, Kitsuke a le dé noir, Rosie a le dé blanc. Et on va, si vous pouvez me jeter s'il vous plaît systématiquement, jetez-moi les dés devant la caméra. D'accord. Rosie s'il te plaît, si vous pouvez me jeter les dés ici, là c'est pour celui qui va commencer la partie. Allez on y va. Rosie fait quelque chose qui est insupportable, c'est d'attendre le jet adverse, et c'est pas grave, le karma joue en sa faveur. C'est donc les Basiléens qui ont le premier tour, on va donc attaquer la phase de mouvement. Petit problème technique sur les prochaines minutes, j'ai perdu le son des bandes qui ont été tournées, du coup je vais vous commenter ce qui se dit en voix off et qui concernait essentiellement l'explication des tours du fonctionnement hein, de Kings of War. Donc globalement un tour de jeu... C'est deux tours de joueurs, joueur A et joueur B évidemment. Chaque joueur joue la totalité de son tour et c'est après au tour du joueur adverse. On est donc sur un jeu en alternance pure et en plus il n'y a pas d'interaction sur les phases de combat de la part de l'adversaire. Donc ça c'est important de le dire. Je vais donc avoir d'abord une phase de mouvement, ensuite une phase de tir et ensuite une phase de mêlée. La phase de tir comprend la phase de magie, puisque la magie est lancée à la phase de tir. Pour les mouvements, et ben c'est très simple, en fait, quand arrive ma phase de mouvement, je vais déclarer tout ce que je fais avec chaque unité. Il y a différents types de mouvements, halt, en avant, le pivot, sur le côté, en arrière, charge, et marche forcée, globalement. Après, il y a des petites subtilités, notamment autour du désengagement, etc. Là, on rentrera plus tard dans cet aspect géométrique du jeu. Et donc on va déclarer tous les mouvements en fait pour toute l'armée. La charge c'est très simple, il faut se trouver au double de, il faut qu'une unité se trouve en ligne de vue du double de votre valeur de mouvement et vous pouvez la charger. Donc par exemple la chasse sauvage qui a un mouvement de 5 a une charge à 10 tout simplement. Les unités qui ont par exemple un mouvement à 8 comme mes cavaleries ont une charge à 7, à 16 et il n'y a pas de jet de dés. Je trouve ça plutôt cool parce que ça permet déjà de se prémunir et de structurer, d'organiser le jeu géométriquement en enlevant une aléatoire sur l'aspect charge et je trouve ça pour le coup vraiment très très intéressant au niveau de la stratégie. Voilà, après au niveau des mouvements ça sera un halt pour cette unité là, pour les archers.
puisque ça va leur permettre en plus de ne pas avoir de malus pour le décor. Pour eux, les cavaliers, ça sera tout simplement en avant. Donc je peux pivoter et bouger de ma valeur de mouvement. Et puis pour le gros bloc, ça sera plutôt une marche forcée, dans la mesure où la marche forcée, par contre, m'empêche de pivoter, c'est-à-dire de faire un tout droit. Voilà, donc là j'ai fait mes mouvements, vous voyez, venez voir passer le mouvement. Donc là, eux ont avancé, ils ont légèrement pivoté, donc je peux pivoter à n'importe quel moment de mon mouvement. J'ai un mouvement de 8 avec ma cavalerie, je peux donc avancer de 4 pas, faire un pivot, réavancer de 4 pas. Voilà, là avec ma cavalerie, j'ai un petit peu anticipé les placements, parce que je pense que Kitsuke a fait une erreur d'avancer sa chasse sauvage ainsi, il présente son flanc, et d'ailleurs je m'arrête 2 secondes sur les arcs d'une empreinte au sol, il y en a 4, il y a la face avant, enfin il y en a 3 en vérité, il y a la face avant, les flancs et l'arrière, elles sont tranchées par cette diagonale que je vous présente avec mes mains d'un point à l'autre du socle, et en gros quand vous chargez le flanc d'une unité adverse, vous multipliez par 2 votre nombre d'attaques à la mêlée, et quand vous chargez dans le dos d'une unité adverse, vous multipliez par 3 ce nombre d'attaques. C'est juste monstrueux l'impact que ça a en termes de géométrie. Voilà, il y a aussi un intérêt majeur sur les lignes de vue, puisque vous n'avez une ligne de vue que sur votre arc frontal, et vous mesurez les lignes de vue et les distances depuis ce qu'on appelle la place du chef, qui est ni plus ni moins que le point au milieu d'un socle. Le point au milieu de la face avant, pardon. Donc voilà, là je me suis positionné en me disant il peut me charger puisque je suis à 10 pouces avec mes archers de la chasse sauvage, mais j'aurai ma cavalerie en deuxième rideau pour venir l'embêter. Voilà, et globalement, après je me suis dirigé vers le centre avec mon gros bloc, de fantassins, de dragons, etc. etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer les tirs. Avant, je peux faire un peu de magie, mais là, pour le coup, le sort que j'ai de magie, c'est un soin. Donc, au niveau de la phase de tir, bah, je peux pas faire ce sort-là. Il n'y a pas d'intérêt, puisqu'il consiste à redonner des PV à des unités à 12 pouces de lui. Donc, pas de tir pour le mage. Le dragon peut tirer, il a un tir à 12 pouces, mais pour le coup, j'ai pas de portée. Je dirais même que là, c'est limite si j'ai une ligne de vue, mais j'ai pas de portée, puisque 12 pouces, ça reste relativement court. Et j'ai mes archers qui peuvent tirer sur la chasse sauvage. C'est 10 tirs, puisque c'est la capacité de l'unité, 10 tirs à 24 pouces, qui touche sur du 4. J'ai pas de malus parce que j'ai bougé et tiré, mais j'ai la règle tir stable. Donc dès qu'on bouge et qu'on tire, on a un moins 1 à la touche. Et en plus, quand notre tir traverse un élément de décor, on a aussi un moins 1 à la touche. Mais comme je suis dans le décor et j'ai donné un ordre halt, je n'ai pas ce malus là. Donc je n'aurai pas de malus. Je vais donc avoir 10 tirs qui vont toucher sur du 4+. Là, je vais laisser Rosie jeter les dés. Elle fait un très mauvais jet de 4+, puisqu'il n'y a que 3 touches qui passent. Et maintenant qu'on a touché, il faut blesser. Et pour blesser, on va prendre tout simplement la valeur de défense de l'adversaire. La chasse sauvage a une valeur de 5, ce qui est une très haute valeur. Et donc, je vais mettre des blessures à mon adversaire sur du 5+. Donc, on jette les dés, on fait 2 5+, sur ce jet-là, ce qui veut dire qu'on va mettre 2 blessures sur le socle de la chasse sauvage. Ensuite, il n'y a pas d'autres tirs. Donc, on va arriver à la phase de morale de la phase de tir. Et du coup, on va prendre les valeurs d'ébranlement et de déroute d'une unité, qui sont les deux valeurs les plus importantes de ce jeu, à mon sens. L'ébranlement de mémoire qui est à 14 pour la chasse sauvage et la déroute qui est à 16. Je vais faire un jet de morale. Donc, je vais jeter 2d6. Je vais y ajouter le nombre de PV qu'il y a de dégâts sur le socle. Si j'atteins sa valeur d'ébranlement ou je la dépasse, donc 14 ou 15, alors l'unité est ébranlée et elle ne peut quasiment plus rien faire au prochain tour, elle est très très limitée dans ses actions. Et si j'atteins sa valeur de déroute ou la surpasse, donc en l'occurrence 16 et plus, alors l'unité est détruite et disparaît du champ de bataille. Un double 6 est toujours une déroute, un double 1 est toujours une réussite. Là en l'occurrence, je fais un double 3, donc 6, je rajoute les deux, ça fait 8. L'unité face à moi n'est ni ébranlée ni en déroute, elle est stable tout simplement, donc elle pourra faire sa vie comme elle le souhaite. Vous comprenez bien que l'intérêt va être au fur et à mesure de mettre des PV sur les socles des unités pour les pousser plus facilement à la déroute, à l'ébranlement et puis après à la déroute. Donc voilà, après tout ceci nous amène à la fin d'un tour puisque j'ai pas déclaré de charge, donc j'ai pas d'attaque de mêlée, j'ai pas d'autres tirs et en fait c'est la fin du premier tour du côté des Basilé 1. Ce qui nous amène au tour de Kitsuke.
On passe du coup de l'autre côté de la table. Et donc moi, ayant fait la totalité de mon tour 1, c'est maintenant à Kitsuke de faire la totalité de son tour 1 et donc d'activer ses ordres de mouvement. On se retrouve après sa première phase de mouvement. Allez, fin de phase de mouvement, Kitsuke, on va aller de droite à gauche. Quel ordre tu as donné en mouvement? Ici. Ici, halt. Très bien. Ici. Ici, j'ai... En avant. Ouais, voilà. T'as fait un léger mouvement. Il a essayé de corriger un petit peu parce qu'il s'est rendu compte que son mouvement d'avant-coureur le mettait un peu en difficulté, le fait qu'il était allé tout droit. Donc voilà, il s'est un petit peu corrigé. Il est quand même à portée de charge de mes cavaliers si jamais je voudrais les lancer, mais je le prendrai de face. Et il est hors de portée du lance-flamme de... Alors il est pas hors de portée, mais il est pas dans l'angle de avant du crash-flamme de mon dragon ici. Ok, donc en avant, ici, ils ont fait quoi? Ici, ils ont avancé afin de suivre un petit peu les archers. Légèrement la manœuvre. Oui, ici, légèrement. Ici, halt. Le dragon, il a volé. Pareil, il a avancé un petit peu. Et puis, les gardes derrière l'ont suivi. Ok, t'as deux unités qui tirent. Effectivement. Enfin, elle n'a pas de portée, mais t'as voilà. Trois unités qui tirent. Eux et eux. Allez, donc, ça va tirer dans quoi? Ça va tirer sur les archers. Ah, sur les miens ? Eh oui. Ok, c'est parti, c'est joli. Donc là, par contre, bah, du coup, j'ai un couvert, puisqu'il tire à travers la forêt. Oui. Donc il a moins 1 pour toucher, il a donc 2 dés qui, au lieu de toucher sur du 4, vont toucher sur du 5. Joli. Et t'as élite, je crois, tire. Et donc, élite tire, tu peux rejeter les 1 sur tes jets d'attaque. Donc c'est pas mal. Hop, petite reroll. Raté, c'est dommage. Donc il en a une qui passe. Particularité, c'est que le scorpion fait des attaques qui font D3. Donc d'abord, il va jeter un D3 pour savoir le nombre de blessures qu'il va essayer de me mettre. Vas-y, le D3. 2. Il en fait 2. Et maintenant, il va me blesser sur ma valeur de défense, qui est de 4. Cependant, il a perforant 2. Donc il a plus 2 à son jet de blessure. Il va donc me blesser sur du 2+. Okay. On est bon? Allez, ça blesse sur du 2+. C'est parti, X. Eh ben les deux passes, il va donc me mettre tout simplement 2 PV. Il me rend la monnaie de ma pièce sur ce que je lui ai mis. Ok, on fera les morales à la toute fin de phase de tir, hein, on continue. Du coup, on a les archers, eux qui balancent 10 tirs et qui vont tirer dans le gros bloc, c'est ça tu m'as dit? Oui, effectivement. Ok, c'est dans ma horde. C'est 8 tirs. Non, c'est 10. C'est les 8, c'était les archers qu'on avait testé la première partie. Là, tu en as 10. Donc 10 tirs, il a pas le malus puisqu'il a tireur stable, il va donc toucher sur du 4+, par contre il est encore une fois élite, et regarde si t'es élite, confirme, mais je pense que tu es élite, donc tu as une reroll. Je suis élite. Ouais, super, donc ça fait 10 tirs sur du 4+, reroll les as, tu veux bien me les envoyer là. Oh, et bah dis donc, on se fait plaisir sur ces petits jets. Ok, et mon unité d'épée East a une défense de 4+, il va donc maintenant me blesser sur du 4, et là pour le coup il a plus de bonus d'aucune sorte. Et c'est bien ça dommage. M'en fait 3, et du coup je prends 3 PV sur mon pack de horde d'épée East. Il a fini sa phase de tir, il est donc l'heure qu'il me fasse tester au moral. Premier test pour eux, vas-y jette tes 2d6. Il a 7, 7 et 2, 9. Moi, j'ai un ébranlement et des routes, si je dis pas de bêtises, à 11 et 13 de mémoire. J'ai 10 et 12. Donc, ça passe de toute façon. Je suis donc stable. Je suis stable et j'ai volonté de faire. Donc, je regagne un point de vie. Ça, c'est classe. C'est une des règles spéciales de moi, de mon armée, de mon côté. C'est que lorsque je suis stable, je regagne... lorsque je suis... oui, stable, c'est ça. Je regagne un PV. Et ensuite, du coup, c'est parti pour cette unité-là. Tu me l'as fait tester. Encore une fois, 2 dés. Alors là, concrètement, il faudrait qu'il fasse un double 6 pour me faire rater quoi que ce soit, puisque j'ai une valeur d'ébranlement de 20, comme c'est une horde. Donc il faut qu'il se tente un double 6. Ouh, on n'était pas loin. Je suis encore une fois stable. Je vais donc regagner un PV sur cette unité-là. Et on a fini son tour de sa phase de tir. Phase de mêlée, pour l'instant, pas de corps à corps. On se toise un petit peu du regard. Fin du tour 1, et on passe immédiatement au tour 2. Même manœuvre, mouvement, tir, mêlée, bagarre. Allez, tour 2 du côté des hommes, qu'est-ce que je vais faire? Ici, ma cavalerie va déclarer la première charge de la partie. Je vais donc charger, je serai sur le flanc, je serai sur la face des unités des guerriers de la chasse sauvage. Avant ça, eux vont déclarer une halte, de façon à tirer d'abord, histoire d'attendrir la chair. Et ici, mon unité de horde va juste faire un léger pivot et avancer pour saisir éventuellement un butin. Et tout ce petit monde va avancer légèrement. J'avais une autre option qui était de prendre mon dragon
J'ai une charge à 20 avec le dragon, on va très, très rapidement arriver à la charge, mais en fait j'ai une charge sur son dragon, donc c'est cool. Sauf que le dragon il est quand même dur à tuer, on le tue pas comme ça. Et si c'était le cas, je me retrouve avec mon dragon en face du sien et potentiellement deux unités de garde du palais qui pourraient venir me chercher de flanc et me faire très mal. C'est donc pas la meilleure option pour l'instant d'envoyer mon dragon au charbon, je vais donc me déplacer en bloc et sécuriser la relique, le butin. Voilà pour ça. Et on se retrouve immédiatement après les moves. Allez, c'est parti, fin de la phase de mouvement. Il y a eu deux charges, les amis. Deux choses particulières, c'est que je vous ai dit qu'avec eux, j'allais tirer là-dessus pour attendrir la viande, sauf qu'on peut pas tirer sur une unité qui est engagée. Donc vu qu'ils sont engagés par ma cavalerie, je ne pourrais pas tirer. Donc eux vont plutôt tirer là-dedans. Eux ont chargé. Donc la charge, c'est très simple. Vous doublez votre valeur de mouvement. Ils ont une valeur de mouvement à 8. Ils peuvent donc charger à 16. Il n'y a pas de jet de dé. À partir du moment où votre adversaire est à 16 et vous devez charger la face où vous êtes majoritairement en ligne de vue, en l'occurrence c'était la face avant, donc je me retrouve de face. Si je réussissais ma charge de flanc, je double mon nombre d'attaque. Si je réussis ma charge de dos, je triple mon nombre d'attaque. Donc c'est assez monstrueux quand même l'impact des attaques sur les flancs et autres. Ensuite ici, marche forcée pour eux, mouvement pour lui, marche forcée ici. Eux vont se saisir de la relique, du butin pardon, et ils vont le mettre, je dois le mettre sous mon socle et je vais le mettre ici dans le coin là de mon socle. Voilà. Et ensuite, mon dragon, a décidé de charger ici. Tout simplement parce que même si je charge là, je suis pas dans sa ligne de vue de lui. Je serai pas dans sa ligne de vue de lui. Donc il pourra pas me charger mon dragon. Donc je suis safe quand même pour le prochain tour. L'idée c'est que lui, ce qu'il va aller faire, c'est qu'avec son dragon, il va venir s'empaler ici. Il va d'abord, il pourra pas d'abord me tirer dessus. Enfin voilà, c'est parti. Les hostilités sont lancées. On commence par la phase de tir et on va commencer par la phase de magie, à savoir notre médecin ici va jeter son sort sur eux, ses soins. Là c'est très simple, phase de tir, pour passer un sort, c'est sur du 4+. En l'occurrence, son soin, c'est soin 3, donc je vais jeter 3D. Rosie va jeter 3D et sur chaque 4+, je guéris un PV. C'est parti, il m'en faut 2 minimum, Rosie. Et on est guéri. On n'a qu'un. Et on n'en a qu'un. Et ben, on regagne un PV. On était redescendu à 2 grâce à la volonté de fer. Et là, on va repasser à 1 grâce à notre sort de soin. Ensuite, niveau tir, ici, on va envoyer 10 tirs dans la baliste. Et on aura fini notre phase de tir. Valeur de touche de 4+. C'est parti. 10 dés sur 4+. Ah, beaucoup mieux que tout à l'heure. Ok. Très très beau 4+, même. Et la blessure sur du 4+, encore une fois. Sauf que comme on est vicieux, on relance les as. Allez, un max de 4+, du côté de Rosie. Oui. C'est pas mal du tout. Le 2, le 3 sont un échec et t'avais un 1 que tu relances. T'avais un 1-1 que tu peux relancer. Ah, 3. Ok, me casse les décors en plus. Et ça passe. Ça nous en fait 5 blessures de passer sur la baliste. Est-ce que Kitsuke veut bien mettre un petit 5 à côté de sa baliste, s'il vous plaît? Oui, monsieur. T'as une valeur de déroute et débranlement de combien avec? 10-12. Oh, il y a moyen de l'éclater sur ce tour. Mais d'ailleurs, on a fini nos tirs. Rosie, tu vas jeter 2 dés et tu vas essayer de faire la plus grosse valeur. On va essayer de faire partir au moral l'unité de scorpion de notre adversaire. Bouh! Elle fait 11. On y ajoute 5, ça fait 16. Valeur d'ébranlement de 10. De 10 et valeur de déroute de 12. On a donc égalé ou dépassé la valeur de déroute. Et ben l'unité est décédée. Et Kitsuke peut l'enlever de la table. Ok, on attaque la première phase de mêlée. On va donc activer nos cavaliers qui vont taper sur la chasse sauvage qui a déjà perdu 2 PV. On a 16 attaques avec ce régiment-là. On touche à 3+. Donc Rosie va jeter 16 dés qui touchent à 3+. Ensuite, quand on va blesser, on a une défense de 5 pour eux, sauf que nous, on a charge dévastatrice 2, donc on aura plus 2 à notre jet, ça veut dire qu'on va blesser sur du 3+. Donc touche à 3, blesse à 3 sur 16 dés. C'est parti, la touche à 3+, des cavaliers. Ouh. Ok, et maintenant, on balance les jets de blesse, c'est parti. Donc tout ça a touché et on blesse, donc sur du 5, mais qui devient 3 puisqu'on a, on a charge dévastatrice 2. Ok, ça fait donc, ça c'est pas bon. On met donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On met donc 9 PV sur cette unité qui en avait déjà 2, ce qui veut dire qu'elle passe à 11 PV perdus. La séquence de combat est terminée, immédiatement test de morale, on va donc jeter 2 dés, c'est nous qui les lançons. C'est parti, il faut un gros score.
Eh ben écoutez, elle fait 7, 7 et 11, 18. On vient donc de pourfendre, donc déroute, puisque sa valeur est de 15 et 17, je crois. Non, 14 et 16. 14 et 16, donc on vient de passer la valeur de égaler ou dépasser la valeur de déroute. On vient donc de tuer la chasse sauvage. Quand on a détruit une unité en mêlée, on a le droit à plusieurs types de mouvements. On peut soit avancer d'un des 6, par contre on est obligé de faire la valeur de des 6, ou alors on peut se déplacer sur les côtés ou en arrière d'un des 3, mais on est obligé de faire la valeur donnée, ou alors on peut tout simplement pivoter. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement de flanc d'un des 3, et comme ça on va capturer la relique. Est-ce que tu veux bien jeter un des 3, s'il te plaît, Rosie? Jette un dé. Un dé. Un dé qu'on va diviser par 2 en arrondissant au supérieur, donc 3, ça fait 2 pas de décalage, donc on va pouvoir se décaler de 2 pas, je le ferai juste après. Par contre là, on va lancer les attaques de notre dragon sur les gardes du palais royal. Là, on a 10 dés avec le dragon qui vont toucher sur du 3, c'est parti, on n'a toujours pas de relance parce que c'est pas le thème de notre armée. Et ensuite, normalement, ces gardes-là, on les blesse sur du 4+, mais comme nous, on a perforant 3, ou 4, on va le blesser sur du 2. De toute façon, on ne peut pas faire mieux que 2, donc vas-y. Allez, on jette 5 dés, et sur du 2, on met des blessures. Il y a un as, on va donc mettre 4 blessures sur le pack de garde. Séquence de combat terminée, on va donc faire la séquence de morale. On a mis 4 dégâts, il a une valeur d'ébranlement à 15, de déroute à 17. Et donc on va jeter 2 dés. On fait 7 et 4, 11. Il est donc stable, pas de souci pour ça, il est serein, et ça s'arrête là. On a donc fini notre tour, je vais juste faire mon petit mouvement de décalage, et on passe maintenant la main à Kitsuke. Ok, phase de mouvement du tour de Kitsuke, qu'est-ce que tu vas faire ici? Ici, contre-charge, ça s'appelle. Contre-charge. Ouais, alors, contre-charge, c'est très simple, c'est si vous êtes déjà engagé, eh bien, vous pouvez contre-charger, ça veut dire que vous allez taper en mêlée sur cette unité-là. Il pourrait aussi éventuellement se désengager et recharger, mais ça n'a aucun intérêt puisqu'il gagne rien du tout de particulier. Il pourrait tout simplement se désengager, mais ça n'a pas d'intérêt non plus parce que du coup il peut pas me taper et moi au prochain tour je le rechargerai. Donc les phases de désengagement et de ce séquençage là, c'est intéressant quand il y a du multicorps à corps, quand il y a plusieurs socles, etc. Là, en 1 contre 1, il a tout intérêt à contrecharger. Il va donc envoyer la réponse à mon griffon. Ici, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va se passer que je vais juste avancer un petit peu histoire de me positionner un minimum plus à portée, on va dire. Et pour le dragon, ensuite on va charger la grosse unité qui a l'air d'être l'unité tanky de son armée afin d'essayer d'aller la pulvériser comme il est en train de faire avec mes gardes. Bien, on a donc attaqué la phase, fini la phase de mouvement du tour 2. Le dragon a fait ce qu'il a dit, il est venu charger. Les archers ici ont légèrement avancé et pour laisser la place au prochain tour, notamment à eux qui vont venir chercher le flanc de mon dragon à moi. Et puis voilà, on a fait le tour, hein. Et donc les archers vont pouvoir tirer, ils vont tirer sur les cavaliers. Vu que du coup il n'a pas fait halt, et ben il va avoir le moins 1 de son décor difficile. Il va donc me toucher à moins 1 et c'est bien tout. Donc t'as 10 dés, c'est parti, qui sont sur du 5 du coup, si j'ai pas de bêtises. C'est parti, 10 tirs d'archer dans mes cavaliers sur du 5, et toi tu es élite, donc tu relances les as, t'en as 2. Oh, des stats bien foireuses. Ouais, il y en a que 2 qui passent. Relance, vas-y. Il y en a 2 qui passent. Oh. Toujours 2 qui passent, et tu vas me blesser sur du 5. Parce que j'ai une défense de 5 avec mes cavaliers, tout simplement. Est-ce que tu vas me faire un full fail? C'est un full fail pour sa phase de tir. Il peut donc immédiatement attaquer sa phase de mêlée. Il y a 10 taquets de dragons qui partent dans mes guerriers là. Et il y a 12 taquets de garde qui tapent dans mon dragon. Tu tapes avec qui en premier? On va commencer par le dragon. Allez, c'est parti. Tu vas donc toucher sur du 3. Relance des as parce qu'il est élite en mêlée. Et après, il va me blesser sur du 2. Désolé. Sur du 3, donc il y a tout qui passe sauf 2 as, donc tu peux les relancer, oui, puisque t'es élite. Ouais, vas-y. Oh, double as, reroll double 2, c'est vraiment pas mal comme performance. Et maintenant il va me blesser, donc ma valeur de défense est de 4, sauf qu'il a charge dévastatrice 3, donc il a plus 3 à la blesse, donc il blessera sur du 2 quoi qu'il arrive, un 1 étant toujours un échec évidemment. Il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en avais perdu 100%. Une, donc je passe à 9 PV perdus pour cette unité. Allez, c'est parti, on fait la déroute dans la foulée, il jette 2 dés pour savoir ce qu'il va me faire au moral.
Il y a 1, 6, ça fait 7. 7 et 9, ça fait 16. J'ai 20 d'ébranlement, 22 de déroute. Je ne suis donc stable. Et comme j'ai volonté de faire, du coup, je récupère un PV. Je passe de 9 à 8. Du coup, on passe au deuxième corps à corps. Les gardes. Alors, on avait oublié de vous le dire, mais c'est sur eux qu'il y a une relique, un objet magique qui permet de s'activer une fois dans la partie et qui va te faire gagner le vicieux. Je pense que c'est le bon moment pour l'utiliser. Oui, donc comme ça, tu vas gagner la relance des 1 à la blesse. Tu vas donc toucher sur du 3 relançable à la, les 1 à la touche puisque tu es élite mêlée. Et ensuite, tu vas blesser sur du 5. Tu as charge dévastatrice 1, donc tu blesseras sur du 4. Relance des 1 à la blesse. Voilà, tu as 12 dés dans ton régiment. C'est parti. Donc sur du 3, reroll des as. Ok, 2 as, c'est un beau jet, il n'y a qu'un 2. Parfait. Et ça blesse sur du 4, oui, j'ai du 3 je crois. Ça blesse sur du 4 et c'est reroll des as. Oh. Il y a un as. Allez. Les 3 sont des échecs aussi, tu les as pas enlevés. Oui, c'est vrai. Et ça fait 5 PV sur mon griffon. Ok, j'ai donc perdu 5 PV sur mon griffon. Et donc c'est parti pour le test de morale qui est jeté par le joueur opérant. Double 6. Pas du tout, c'est un 5. Je suis donc stable et j'ai volonté de faire. Je récupère un PV, si tu veux bien me remettre un petit cadre s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et on a donc fini le tour 2. On passe au tour 3. Vous avez vu, ça va très vite. Et donc on va attaquer les mouvements du tour 3. Ici, contre-attaque. Ici, il va soigner cette unité. Eux vont sans doute se réorienter, pivoter et se préparer à une charge pour le tour 4. Eux vont se réorienter, eux vont tirer sur personne parce que j'ai plus de ligne de vue. Et notre bon vieux dragon va contrecharger sur les gardes du palais. Allez, le mouvement du tour 3, comme je vous ai dit, les cavaliers sont mis en place. Eux ont légèrement avancé, ils n'ont pas de cible. Eux ont fait la moitié de leur mouvement en pivot. Ils ont fait un petit pivot sur place, des pas chassés, on appelle ça. Contrecharge, contrecharge. Phase de tir, on a quand même de la magie. On va jeter soin sur notre unité de d'épéiste. Vas-y, c'est parti. 3D sur du 4+, on soigne des PV. On a réussi 1, on passe donc de 8 à 7 PV. Ça, c'est cool. Et ce qui va nous permettre de contrecharger directement, on va commencer par notre griffon qui va jeter 10 dés contre les gardes du palais. Allez, c'est toujours la même chose. 10 dés sur du 3+, sur les gardes royaux. Oh, Rosie, elle nous fait des jets de fou. Et maintenant, tu vas blesser sur du 2+. Va-t-elle nous faire un jet de folie encore une fois pour pourfendre ces gardes royaux sur du 2+, un as, un deuxième as, je vois. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures supplémentaires. T'en avais pris 4, tu es donc à 10. Prépare donc ton jet de morale, Rosie, vas-y, 2D, c'est parti, pour voir si on les tue. Ouais, 10 et 8. 18, est-ce que c'est la DD? Est-ce que c'est la DD? Est-ce que c'est la déroute? Je pense que t'es à 15-17. Je suis à 15-17. Donc on dépasse, ou on égale ou on dépasse le seuil de déroute, on vient donc de pourfendre les gardes royaux, ce qui va nous permettre de faire un mouvement de pivot sur place, et on va juste faire un mouvement de pivot avec le dragon pour se mettre face à la charge qui va arriver des autres gardes. Ok, contre-attaque des épéistes, on a 25 dés, on touche à 4, on blesse à 5. C'est parti, envoie la salve, Rosie, sur du 4. Ok, tout ça s'est passé, maintenant tu blesses sur du 5, vas-y. Sur du 5, c'est pas difficile. Allez, on met combien? On en met 1, 2, 3, 4, 5. 5 PV, on met sur le 5, dragon. Hein. C'est sur du 5, ouais, donc ceux-là sont pas bons. On vient donc de mettre 5 PV sur le dragon. Du coup, on le fait test au moral pour savoir si on le tue. On jette 2 dés. Allez, 2, 6. Ah. Non, ça fait 4 et 5, 9. Valeur de débranlement à 15 et 17. Donc on est bon, on tient. Et ce qui veut dire qu'on a fini notre tour. On laisse la main à Kitsuke. De toute façon, ça va être ici, contre-attaque. Ici, charge, et il restera éventuellement les tirs de E sur les cavaliers. Je pense qu'on est bon, Kitsuke, on fait ça ? C'est à peu près ça. Ok, c'est parti. Ok, donc petit changement de plan, il a décidé de ne pas tirer, il a plutôt chargé. En plus, il est éclaireur, donc il n'aura pas le, bonus, le malus de gêner. Il faut savoir que quand on charge à travers un décor, on a moins un à la touche parce qu'on est gêné. Donc eux sont éclaireurs, ils n'ont pas ce malus-là. Par contre, il y en a qui ne sont pas éclaireurs, c'est les gardes du palais qui vont taper sur le griffon, sur le dragon. Par contre, eux seront gênés, donc ils auront un moins un à la touche.
C'est parti, on commence par où? T'essaies de farcir cette unité-là? Ouais, avec les archers. Alors, particularité et différence entre le tir et le corps à corps. Le corps à corps, je vais tester à chaque fois qu'il va m'attaquer. Donc il va m'attaquer ici, on va tester au moral. Il va attaquer ici, on va tester au moral. Là où au tir, en fait, plusieurs unités peuvent tirer sur la même unité, on ne teste qu'une seule fois à la fin de la phase de tir. Ok, c'est parti, les archers, ils ont 10 attaques, ils vont toucher sur du 4. La lance du corps à corps. Ils sont élites en corps à corps aussi ou pas? Non, pas du tout. Donc c'est sur du 4, t'en as... C'est sur du 3. Ah, c'est sur du 3 en plus? C'est sur du 3. Ah ouais, t'es chaud toi. Hop. Bien joué, et tu vas me blesser pour le coup sur du 4, sur ma valeur de défense. Et il y en a 1, 2 et 3 de mieux. Je suis donc à 7, je passe à 10. Et tu peux immédiatement nous faire tester puisqu'on est sur la fin d'un combat. Allez, 10 plus 2d6. Et 10. Oh ! Alors faut savoir que le double 1, parce qu'il y a des situations, par exemple, dans laquelle où moi je pourrais être avec un nombre. De dégâts qui est supérieur, égal ou supérieur déjà à mes valeurs d'ébranlement ou de déroute, dans quel cas le double 1 est toujours une réussite au moral pour moi, et inversement le double 6, même s'il ne peut pas m'atteindre mon seuil de d'ébranlement ou de déroute, le double 6 lui permet de toujours me mettre en galère. Voilà, mais comme je vous l'ai dit au corps à corps, à chaque fois qu'il y a fin d'une séquence de combat, on teste. Donc là, on tapait, on testait, et le dragon, il va refaire la même séquence. J'ai peur, je vous cache pas, je pense que le dragon risque de me sécher. Il y a de fortes chances, et le dragon met 10 taquets qui vont toucher à 3, reroll des as et blessé à 2. Et belle remarque de Rosie qui a suivi la partie, qui nous a rappelé notre volonté de faire, puisqu'on a été stable sur le jet, du coup on passe de 10 à 9. Allez vas-y, 10 dés sur du 3, reroll des as. Ok, un as que tu peux relancer, les deux sont des échecs bruts. Ok, as reroll as. Oh, ça nous rappelle la fin de la chaîne celui-là. Bienvenue dans la famille, mais tu y étais déjà, donc bon c'est normal pour toi. Et maintenant c'est sur du 2, ah là ça va piquer. Allez, un maximum d'as. Il y en a 2 as, donc ça fait 5 blesses supplémentaires. On est à 9, on passe à 14. N'oublions pas, on est à 20 et 22 en valeur de déroute et d'ébranlement. Donc 14, ça veut dire que sur du 6, 7, on est ébranlé. Et sur du 8, on est en déroute. Mais il va nous faire un petit score, le Kitsuke, parce qu'il est bon et généreux. Allez, c'est parti. Mourez, pauvre fou. Il nous fait un 6, ça fait qu'on est à 20, on est donc ébranlé. On est ébranlé, particularité, on est une unité qui est acharnée, donc au début du prochain tour, si on fait un 3+, et Rosie va le faire, puisqu'à la partie précédente, elle les a toutes réussies, elle va réussir, et du coup, on sera pas ébranlé, on pourra taper. Bref, allez, ici, même séquence, donc là, c'est les gardiens qui vont jeter leurs 12 attaques, qui vont non pas toucher sur du 3, mais sur du 4, puisqu'ils ont le moins 1, dans le cadre de leur charge gênée. C'est parti, c'est sur du 3 et après, donc sur du 3, reroll les as. J'ai une famille qui ne sait pas jeter les GD, vous les excusez. Hein, mais... 4. Allez, c'était sur du 4, pardon. Ouais. Oui. Les 3, t'avais un 3. Non? Oui, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Oui. Ok, t'as fait un très beau jet là. T'es un vrai coquin. Allez, foire-toi. Allez, et là, normalement, tu te blesses à 5, mais t'as plus 1. Ouais. Donc t'es sur à du 4. Oh, mais dis donc, c'est ultra violent ce que t'as fait là. Hey. Tu m'as mis 7 PV supplémentaires, on est passé de 4 à 11. C'est chaud pour notre dragon en fait, je m'attendais pas. T'as beaucoup trop bien touché. Donc vas-y, bah, on est à 11, 2D. Vas-y mon petit 2D, Kitsuke. 2D. 7. 7 et 11. 7 et 11, 18. 18. Donc tu es ébranlé. Je crois même que je suis en déroute. Ah non, je suis en 17-19. 17-19. Donc on est aussi ébranlé. Et tu peux nous mettre donc. Non, ben, il faut juste qu'on mette un token ébranlé. Eh oui. Donc en fait, cette unité est ébranlée. On va passer à la fin du tour 3 de Kitsuke et on passe au tour 4. Ok, tour 5, côté des Basiléens, on commence le tour avec la règle acharnée, parce qu'on est des mecs déter de fou. Normalement, on est ébranlé, ce qui veut dire qu'on ne peut faire que très peu de choses. On peut éventuellement se désengager et éventuellement faire des mouvements de pivot, mais du coup, je ne peux pas contre-attaquer, je ne peux pas charger, je ne peux quasiment rien faire. Donc en gros, je ne pourrais pas répondre dans le corps à corps, ce qui est très embêtant. Mais comme on est acharné, sur du 3+, et c'est la même chose pour notre dragon d'ailleurs, mais comme on est acharné, sur du 3+, on va pouvoir s'activer. Allez, Rosie, c'est parti, premier jet de dés pour les épéistes, est-ce que tu les sauves?
un énorme as des familles. On reste donc ébranlés comme des glands et on va rien pouvoir faire. Ok, maintenant sur notre dragon, c'est parti sur du 3+ aussi. Encore un. Ah. Ok, on va pouvoir au moins répondre avec le dragon, c'est chaud, mais eux vont pouvoir rien faire. À la limite, on va juste se... je sais pas ce qu'on va faire. On va réfléchir deux secondes, on se retrouve à la fin des mouvements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cavaliers qui vont venir se faire un dragon. Ça va faire très très mal. Allez, fin de la phase de mouvement, qu'est-ce qui s'est passé? Les archers se sont avancés de 5 pouces et anticipent peut-être une bagarre ici. Alors, fait notable sur les mouvements de eux. On a fait un mouvement de retraite, donc on est allé à plus d'un pouce de nos camarades, et ensuite on a donné un des seuls ordres qu'on peut donner sur ce tour-là, c'est-à-dire de côté. Donc j'ai pu faire un mouvement de 2,5 de côté, ce qui me permet, vu que le dragon est engagé avec mes cavaliers, au prochain tour je vais me reprendre évidemment eux dans la mouille, mais du coup il pourra pas me charger avec, il pourra pas multicloser avec son dragon, soit eux, il va devoir faire des choix. Voilà, bref. En tout état de cause, les amigos, on va commencer déjà par une phase de magie qui va être ici. Et on va jeter le soin sur nos épéistes. C'est parti, 3D. Pour chaque 4+, on récupère un PV. Ok, bien joué, il y en a deux. On était à 20, on passe à 18. Phase de tir terminée, phase de mêlée. Notre dragon va taper dans les gardes royaux. Les gardes du palais. D'idée, on va toucher sur du 3. C'est parti. Oh, est-ce que c'est pas un gros full touche des familles qu'elle nous a fait, Rosie? Rosie, elle est énervée quand elle tape avec son dragon. Hein. La chevaucheuse de dragon, vous pouvez la mettre dans les commentaires. N'hésitez pas. Hashtag chevaucheuse de dragon. C'est notre petite Daenerys à nous. Alors attention, ce Daenerys finit pas ouf non plus. Hein, donc voilà. Allez, Dracarys, Rosie. Maintenant, tu vas blesser sur du 2. Est-ce que tu veux faire full touche, full bless? Si tu fais pas d'as, mes respects, je fais la vaisselle ce soir. Full as! Oh merde, je fais la vaisselle. Ah si, un as! Tu feras quand même la vaisselle. Il y a donc 11 blessures qui passent sur les petits gardes royaux. Correctif, je m'emballe, c'est 9. Si on a raté un seul dé sur la totalité des jets, on a 10 touches. 9, allez, tu nous jettes 2 dés pour la déroute? Vas-tu mettre en déroute cette unité? Attention! 6 et 6. 6 et 1, 7. 7 et 9. 16, à mon avis, tu es ébranlé, je pense. 16, je suis effectivement ébranlé. Puisque t'as 15 et 17 en... Effectivement. Ok, donc il est ébranlé avec cette unité-là. Ça veut dire qu'au prochain tour, il pourra pas nous taper sur le dragon, ce qui nous arrange un peu, parce que le dragon, il est pas ouf non plus en termes de... Hein, on s'est bien compris. D'ailleurs, on a fait un test de... Oui, on était ébranlés avec eux. Oui. Ok, et maintenant, on attaque les cavaliers. On va donc jeter 16 dés. Et non, on va pas jeter 16 dés, les amis. 32. Parce qu'on est sur la face du flanc. On multiplie par 2. On va donc jeter 32 dés. Comme on n'a pas 32, tu vas faire 2 fois 16. Ok. Donc, première salve de 16 dés. Donc, eux vont charger sur le dragon. On a dit donc 32 attaques qui vont toucher à 3+. Et c'est parti. Vas-y. Donc, les 16 premières sur du 3+. Donc sur les 16 premières touches, ça passe, et elle va de suite faire ses blessures. Défense de 5, charge fracassante 2, donc on blesse à 3, c'est parti. Bon, je pense qu'on va le défoncer. J'avais pas capté qu'on allait le détruire comme ça. Allez, tue le dragon ennemi, Rosie, tue-le. Full 1. C'est sur du 3, donc les deux sont des échecs. Ok, donc là sur les premiers 16 dés, tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, il avait déjà perdu 5 PV. On est donc à 17. Et maintenant, tu fais la deuxième salve. Je pense que ça sert à rien de faire la deuxième salve, puisqu'on va atteindre forcément au-delà de son niveau. Donc en fait, il faudra pas faire de double 1, sinon il va prendre forfait. On va quand même la faire au cas où, juste histoire de rigoler un peu. Full 1. Tu rebalances les 16 sur du 3 et sur du 3. Et les blessures sur du re 3. Les 1 et les 2. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, on était à 17, tu es à 20, 26 PV perdus. Rosie, il a un test de déroute, la seule chose qui peut le sauver, c'est un double 1. Non, il n'est pas mort. Pas de double 1, Rosie, te foire pas. Double 1. Oui, elle a fait 7. On vient donc de pourfendre le dragon. Il est mort? Il est mort. Ah!
Alors, petite particularité qui est intéressante. Le dragon, est-ce qu'il a le mot-clé indépendant? Je ne pense pas. Parce que, de mémoire, lorsque j'ai lu les règles, quand on tue un personnage indépendant, on peut potentiellement réenquiller une charge derrière. Mais je crois pas que le dragon soit dépendant. Kitsuke vérifie dans le livre des règles. En attendant, on va quand même faire un mouvement. On va faire un mouvement de quoi? On va faire un mouvement. Il est point indépendant, il est draconique. Ok. Donc il n'est pas indépendant. S'il avait été indépendant, on aurait pu, dans la foulée, faire le mouvement de D6. Et si on arrivait en portée d'engagement, on retapait sur eux. Et en plus dans le flanc. Donc on terrassait deux unités à la foulée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste avancer d'un gros D6. Je te laisse faire un petit D6, Rosie. Un seul, vas-y. Ok, bah 1, donc on va avancer juste d'un pouce ici. Tu peux maintenant jeter. On les a fait, eux. Je sais plus, on l'a fait taper, lui. Si, on l'a fait. Ah oui, tu l'as déjà fait taper. Et on les a ébranlés. On l'a réussi. Ok, donc on arrive globalement à la fin de notre tour. On va juste avancer eux de 1 et on passe au tour 4 de Kitsuke. Donc, ça risque sans doute d'être le dernier tour pour Kitsuke, puisque vous avez vu qu'il n'a plus que 2 socles, dont 1 qui est ébranlé, qui va donc pas pouvoir taper sur le dragon, et le dragon va pouvoir taper en retour sur notre dernier tour. Donc en gros, ils vont se faire défoncer par le dragon. Il lui reste à faire quelque chose de beau avec du panache, c'est défoncer nos fantassins, qui sont déjà dans le mal. Il va donc balancer ses 10 attaques, il va toucher à 3, reroll des as, blesser à 4, et il va ensuite nous faire tester. Normalement, on a déjà perdu beaucoup de PV, hein, on est à 18 PV perdus, donc il y a de fortes chances qu'il nous mette en déroute sur cette attaque. C'est parti, mon Kitsuke. Oh, on a un petit as, tu es d'élite, tu es l'élite. L'élite non, des elfes. Non, je n'ai pas d'élite avec okay, les archers. Ok, l'élite, elle est au tir. Et ok, oui. Bien joué. Sur du 4. Allez, max de 4 pour Kitsuke. Oh, tu ne fais rien. Tu ne fais donc pas de blessure. On n'a donc pas de test à faire. Bah, en gros, je pense que ça va clôturer la partie, ah, tout simplement. Oui. Puisqu'en gros, sur notre dernier tour, on va pouvoir, avec la cavalerie, bah, vous l'avez bien compris, hein, de flanc ici, on a arraché un dragon, on n'aura pas de mal à arracher 10 gars. Et ici, on va terminer cette unité-là. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, on aura une... et deux butins de guerre et 0 du côté des elfes, ce qui fait 2-0 pour cette fin de partie. Bravo à toi, mon Kitsuke. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette partie test, découverte, didactique, un petit peu de Kings of War. L'idée ici était vraiment de vous présenter la totalité de ce que propose le gameplay. Je vais commencer, donc comme je l'ai dit, hein, on était sur une partie qui a un objectif sympathique. Et donc, victoire, défaite, peu importe, après vous comprenez, pour Kitsuke c'est un petit peu dur la défaite face à l'écran, mais c'est bien, ça forme, c'est formateur. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis, Kitsuke, sur ce jeu. Est-ce que tu peux nous partager ton avis? Eh bien écoute, pour une fois qu'on me le demande... concrètement, mon avis sur le jeu, c'est qu'il est plutôt simple à prendre en main. Ouais. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Si ce n'est que, bon, quand on est sur la première fois, il faut check tout le temps les troupes, etc. pour savoir leur stats. Ouais, leur stats, etc. Donc, c'est classique, hein, mais bon, voilà. Et sinon, le jeu est simple d'accès, donc franchement, bah, pour quelqu'un de mon âge, ça va. Ça passe. Ouais. Mais c'est cool. En plus, je précise hein, que t'es du coup. Je me suis fait même si t'es dans la boîte. Même si tu vis au quotidien avec la famille Creative Wargame, t'es pas du tout joueur de Wargame. Donc c'est un jeu que tu découvres et t'as pas forcément la préhension habituelle de te retrouver sur la manœuvre géométrique, etc. Effectivement, je suis un gamer. Et c'est un gamer avec des manettes. Et là, on est plutôt sur du gaming avec des dice. Ouais. Alors, Rosie, elle est pas du tout Wargame, mais de ouf. C'est pour ça qu'elle était là surtout pour jeter les dés. Et tu as eu un gros mojo sur les dés. Oui, pour une fois. À ma rechance. Toi qui as observé un petit peu le truc de loin, qui, là pour le coup, qui est. En plus de ne pas être une wargameuse, tu n'es pas particulièrement attiré par les univers médiévaux fantastiques, c'est pas forcément ta cam. Qu'est-ce que toi tu as pensé globalement de nous voir jouer? Mais pareil, je trouvais ça super fun et accessible en fait. Ouais. Et ça c'est cool parce que quand on a affaire à des jeux comme ça et qu'on ne connaît pas du tout, et bien, au moins ça incite à jouer, à participer. À... Voilà, donc je trouvais ça vraiment fun. C'était cool de vous voir jouer. T'as kiffé? Et débarrasser les dés. Tu étais content d'avoir gagné contre ton propre fils. Effectivement, je me suis fait sympathiquement déboîter, comme on dit. Mais je précise que
pour la phase test que nous avons fait à deux jours, c'est quand même lui qui a gagné. Un partout, il a joué, il a joué, un partout, bah, au centre. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire dans les commentaires, si vous voulez voir la revanche de la famille Creative Wargame, vous le mettez dans les commentaires, vous nous dites on veut la revanche pour Kitsuke. Voilà, hashtag revanche pour Kitsuke, un maximum dans les commentaires si vous voulez voir un deuxième épisode de rapport de bataille Kings of War. Si c'est le cas, encore une fois, hein, jouez le jeu, les commentaires, les likes, ça interagit bien avec la vidéo. Si ça marche bien, je m'engage, on fait un deuxième, mais plus gros format avec plus de troupes, ça sera encore plus intéressant à manœuvrer, etc. Et plus difficile à gérer. Plus difficile à gérer aussi, du coup. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, honnêtement, je vous donne mon avis sur le jeu. Je le trouve, pour le coup, bah, vous avez vraiment mis l'accent sur ce qui me semble être le point fort de ce jeu. C'est l'accessibilité. Les règles sont relativement simples et instinctives. Il y a quelques aspects qu'il faut nuancer par rapport au couvert, les lignes de vue, etc., qui nous ont nécessité à un moment ou à un autre de la partie à se dire « Ah, est-ce que je peux faire ça ?» On va aller voir dans les règles si le wording l'autorise. Et en l'occurrence, bah oui, non. Ça, après, c'est... Ça aussi, c'est assez simple. Ouais, effectivement, c'est assez simple. Donc ça, c'est les situations de jeu qui se génèrent pendant la partie. Mais globalement, c'est plutôt cool. Après, il faut vraiment voir sur... du coup la lecture de fond un petit peu plus quand on va gonfler les formats, qu'on va se retrouver sur une grande table où il va y avoir potentiellement plus de facilité à aller chercher les flancs, tout ça, comment ça se manœuvre stratégiquement, là ça devient intéressant. Je réitère, mon premier avis sur le jeu était que le gameplay était bon. Je remets une couche pour vous dire que le gameplay est bon. Gros avantage, vous n'avez pas besoin d'acheter des figurines pour tester. Pour commencer le jeu, vous avez besoin que de ce bouquin. Pas besoin de vous procurer un des starters. Alors le starter qu'on a reçu, qui nous a été envoyé par Mantic, qui est Tempête dans les Comtés avec les Orques de la Faille et les Halflings. Et là, il y a un autre starter qui sort, cette fois-ci avec les Ogres. Et j'ai plus le nom de la faction, mais il y a poussière dedans. Oh, poussière d'étoile peut-être. Non, pas poussière d'étoile. Ah, dommage. Boule de poussière. Oh. Non, c'est la faction, c'est des morts vivants. On remettra le nom sur la vidéo. Oui, voilà. Rosie le fera. Voilà, elle le mettra dans les commentaires. Isel le fera dans les commentaires. Donc voilà, vous avez juste à vous procurer ce bouquin. Il me semble dans toutes les boutiques de jeux spécialisés, je crois qu'il sort aux alentours de 35 ou 40 euros. Vous avez dans ce bouquin-là toutes les règles et vous avez toutes les listes d'armées qui vous permettent de tout jouer, ce qui nous a permis à nous de choisir deux armées par rapport aux figurines qu'on avait et de les jouer tout simplement. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas de figurines et vous en cherchez, vous pouvez aller grimper les starters ou alors acheter des figurines médiévales fantastiques et puis jouer comme vous le souhaitez. Ça tout même t'aime pas. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. Après, on est quand même dans un studio de wargame, on avait quand même du matos pour jouer. C'est peut-être pas aussi le cas de tout le monde, mais je vous incite vraiment à tester et à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît, les amis. Mais ça me plaît, les pouces bleus. Ouais, connais. Allez, vous. Allez, écoutez aussi. La famille wargame a donné de sien. Ouais, c'est bien. Merci à vous deux. D'ailleurs, j'ai l'habitude de remercier toujours les intervenants. Je manque à tous mes devoirs, je ne vous ai pas remercié dans un premier temps. Merci à vous de vous être prêté au jeu. Merci à toi, Kitsuke. Ton temps est précieux. Ton temps est précieux. Tu as des devoirs d'ailleurs auxquels tu vas te remettre dans pas longtemps. Oh, je ne vois pas ce que tu parles. Donc voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnement, commentaire. On se rejoint sur Instagram, sur Discord. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, les seigneurs de guerre. Sur Creative Wargame. Allez, ciao. Les seigneurs de guerre. Et les duchesses de bataille, évidemment.